Avant de vous laisser avec la vidéo qui va suivre, il fallait que je vous parle d'un sponsor qui s'est rapproché de nous, qui nous supporte donc et qui m'a demandé de tester deux produits pour vous. Alors les sponsors, on en a besoin, hein. C'est quand même grâce à eux si on peut aussi développer nos vidéos et partir à l'aventure comme ça. En une minute, je vais vous parler à la fois de cette lampe frontale Olight et de cette lampe torche Olight. C'est pas compliqué, pour moi cette lampe frontale, elle a tous les avantages sans les inconvénients. Un clic, donc on allume la lampe, double clic, on choisit son programme. Donc là, la lampe rouge, voir et pas être vue. Une fois qu'on a choisi son programme, il suffit juste d'appuyer en continu sur le bouton qui est sur la lampe. Et puis automatiquement, ou vous allez augmenter ou vous allez diminuer l'intensité. Si on fait 3 clics, et regardez, je vais le faire, 1, 2, 3, on passe directement en mode SOS. En autonomie, ça tient des heures et des heures. Pour vous dire, je m'en suis servi toute une nuit complète et au matin, j'avais encore de la charge. Il y a une chose sur cette lampe en plus que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que lorsque vous êtes en pleine puissance, si vous voulez la diminuer, plutôt que d'appuyer sur le bouton, vous faites un geste de la droite vers la gauche et elle diminue d'intensité automatiquement. Je le trouve extraordinaire dans sa simplicité, dans son poids, dans sa légèreté. Bien sûr, c'est rechargeable avec port USB. Et vous avez le niveau de charge qui va s'afficher à l'arrière, comme ça, avec des petits pointillés rouges. Vraiment, c'est un produit que je vous conseille. Alors là, c'est une petite lampe que moi, qui me sert de lampe de secours. Donc, vous voyez déjà, on peut l'accrocher à la ceinture. Ça ne prend pas beaucoup de place du tout. C'est petit, c'est grand comme mon doigt. Là, on voit le joint torique pour l'étanchéité. Et regardez, et ça, c'est quand même assez magique. Moi, je ne l'avais jamais vu. C'est que dans la pile même, on a un mini port USB universel. J'espère que vous allez passer un bon moment avec la vidéo qui va suivre concernant la lampe frontale, la lampe torche. Vous trouverez le lien dans le descriptif ainsi qu'un code promo, donc profitez-en. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, encore une fois, on retrouve Pascal. Ah, encore là, quoi. On est encore en binôme pour celle-là. On s'était lancé un petit peu quelque part le défi avec Pascal d'essayer d'aller à la rencontre d'un maximum d'animaux sauvages de nuit. Donc on va faire une rando. Un petit peu, ça va être usant et fatigant, certainement, peut-être même des fois dangereux, c'est un petit peu le but de l'aventure. Ça va être bien. Dans les 23-24 km, je crois qu'on a calculé. Déjà, on va monter un camp, hamac et tout, vous allez voir en image, et ensuite, on attend que... Hein, petit campement, puis après on va traquer l'animal sauvage. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, on va essayer de le filmer pour vous. Quoi. Ouais, au plus près en fait. Au plus près. Le but, c'est notre défi quelque part, c'est d'essayer de s'approcher au maximum. Donc forcément, si on ne se déplace pas, on ne trouvera rien du tout. Il va faire très froid. Là, on a l'impression qu'il fait presque nuit. Et pour vous dire, il est à peu près 2h30. Bon, on se retrouve dans quelques minutes. Pas mal ici. On a mené... De quoi s'alimenter. Ouais, pour une fois, on n'a pas chassé pour manger, donc non. Tout est prêt. En restant une nuit ou deux, chasser, ça serait un peu... On simule une survie, mais on n'est pas en mode survie. Donc voilà, les animaux aujourd'hui, on veut juste... On veut juste les observer, les regarder. Voilà. Pascal. Allez, on fait la boucle intérieure. On reprend le lien, on va doucement serrer, voilà, ça va nous faire un noeud coulissant et après on le ramène. Après on tire, il n'y a pas de souci, jamais ça va venir. Et le lendemain, quand on part, allez, vas-y. On tire dessus et on s'en va. Comme quoi c'est solide, hein. We'll be right back.
Hop. Tranquille. Oh. Je vais dormir comme un bébé ce soir. La petite lampe. Alors attends, il faut que je m'installe aussi. Et, hop. Et voilà. Wouhou. Voilà. Le camp est prêt. On sait qu'on est à l'abri de l'eau. Hein? Ah oui, à l'abri de l'eau. On est à l'abri du sol humide. On te voit pas derrière ta moustiquaire du coup. Eh ouais. Je suis là, je suis un fantôme. On est parti. Hein. On va essayer d'être discret. Ben, le but c'est voilà, hein. Aller à la rencontre des animaux sauvages. Ouais, on va faire discret. Donc on va faire la technique faux mec, la technique des commandos. Alors, j'aime bien. Ce que j'aime bien, c'est que avec cette lumière blackout là, ça permet de voir un petit peu et surtout de ne pas être vu. Waouh! Oh, l'accès est compliqué. Là, c'est vraiment très compliqué. Ouais. Tiens, c'est pas bon, c'est une grotte. Et donc c'est beau ça. Regarde un petit peu là-dedans. J'ai tenu qu'il n'y ait pas un animal dedans. Cavité assez basse, ça va être compliqué pour y aller. Bon, ben on va goûter ce poulet qui a pris son temps. Hein. Ah, à mon avis, il est bien cuit. Là. Tiens, vas-y, je te coupe un morceau, Pascal. Hop. Ouh. Allez, cuit. Il est cuit. Ah, tu... Ça frappe. Ah, il est super bon. Ouais, c'est vraiment bon. Voilà l'assiette improvisée. Oh. Oh là là. Hop là. Bon ben, à plus tard, hein. On va bien dormir.
En tout cas, il y en a un qui dort bien. Hein? Ah merde, je croyais que tu dormais. Bon, ben, on est quand même au mois de novembre. Hein. On est dans une forêt. Bon, ça pique un peu, mais bon, hein, on est quand même bien installé. Oh, on est trop bien. Comme les arbres où on a attaché les hamacs, là, et ils vont très haut. Et donc, ils prennent bien le vent. Et donc, ils sont secoués. Alors, ça fait que le hamac, en fait, toute la nuit, on est bercé, quoi. Et ça, c'est pas mal. C'est pas mal. En plus, on a eu la lune pleine cette nuit. Donc, on a la lune pleine cette nuit. Donc, c'est bien aussi. Le vent souffle, on l'entend. Mais ça va. Allez, à plus tard. Cette vidéo s'achève, j'espère que vous aurez passé un excellent moment avec nous. Nous on s'est bien régalé. Quand on est en pleine nature, on se régale toujours. On a un petit peu de regret parce qu'on aurait vraiment voulu rencontrer des animaux sauvages. Ça n'a pas été le cas. Nous, il ne nous reste plus qu'à retrouver notre point de ralliement. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner, à liker, à partager. Jusque là, bonheur simple. Portez-vous bien.